Salut, c'est Mega Driver 16. Après cette épique petite introduction bien connue de Star Wars sur le jeu Star Wars Battlefront avec un joli sabre laser vert qui vole tout seul, je vous retrouve pour vous montrer aujourd'hui les effets, entre autres, de la dernière mise à jour qui a eu lieu il y a un petit moment maintenant sur le jeu Star Wars Battlefront. Alors, il y aura eu pas mal d'ajouts, de petits ajouts par-ci par-là en multijoueur que je ne peux pas vous montrer tout de suite parce que je n'ai pas de code d'essai, j'en ai pas réactivé de nouveau. Par contre, je peux vous montrer ce qui a changé en solo. C'est au niveau des batailles, voilà, des batailles de héros. Alors, je vous l'avais déjà proposé sur Hoth avec Luke Skywalker, mais je vais vous la présenter aujourd'hui avec Han Solo. Puisque Han Solo a une tenue spéciale Hoth avec cette dernière mise à jour en date du jeu Star Wars Battlefront. Ainsi que Luke Skywalker, d'ailleurs, ils ont leurs habits, leurs tenues qu'ils avaient dans l'Empire Contre-Attaque. Donc en fin de cette vidéo, je vous montrerai aussi en bonus le petit costume de Luke Skywalker spécial Empire Contre-Attaque. Donc ces deux nouvelles tenues rajoutées avec cette dernière mise à jour sont uniquement pour Han Solo et Luke Skywalker, et ce sont leurs vêtements d'hiver uniquement accessibles sur Hoth. Donc on va prendre les rebelles et mon petit Han Solo. Qu'est-ce que je ferais pas pour cette princesse? Et on le voit, Leia Doudoun. Il est exactement habillé comme dans l'Empire Contre-Attaque quand il avait été chercher Luke Skywalker. Ok, là j'ai mes copains rebelles qui arrivent. Allez, on y va les gars. Où est-ce qu'ils sont les méchants? D'ailleurs, j'ai oublié de mettre en mode difficulté un petit peu plus important parce que là normalement on se rappelle que c'est une partie de plaisir. Alors qu'est-ce que j'ai comme super pouvoir? Ah oui. Qui nous tire dessus? Là je rêve. Ah, ils sont là-haut. Allez, allez choper son carré de vie. Ils sont où les autres? Je vais essayer le pouvoir de la course, là. Ils ont l'air d'être là-haut. Si je me fie au radar, ils sont là-haut. Le meilleur pilote de la galaxie, sous vos yeux. Ouais, d'accord, très bien. Meilleur pilote de la galaxie. Tiens, un vaisseau ennemi, mais ça fait partie du décor. Où est-ce qu'ils sont les soldats de l'Empire? Ils ne seraient pas là-dedans quand même, ils ne se sont pas planqués là-dedans. Là, il y a une sulfateuse. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ce serait bien d'aller chercher son carré de vie, mais alors il est un petit peu loin, là, pour le coup. J'ai l'impression que ça fight sur la droite. Et on est qu'à 6 sur 10, hein. Va falloir y aller un petit peu plus fort et un petit peu plus vite. Là, on a un diamant. Allez, prends le diamant et prends le carré qui n'est plus là, malheureusement. On a mis trop de temps à y aller. Bon, où est-ce qu'ils sont? Voilà du méchant. Et s'ils y vont un par un, on n'est pas rendu, hein. Tiens. Prends-toi ma super course qui fait mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, il y a un sniper au bazooka, il est où? Il est où? Il est par là. Hein. Je peux en encaisser d'autres. Si c'est que le temps d'aller chercher son truc à lui, on va être en retard. Attends, ils sont de ce côté, on dirait. J'ai vu du rouge. Alors les copains, vous les avez vus où les gars? Les méchants. Les soldats de l'Empire. Et ben voilà. Là, pouvoir spécial. Tiens, prends-toi ça dans la tronche. Donc ce pouvoir spécial, c'est quoi? Quand on appuie sur la gâchette haute droite. Tiens, prends-toi ma course. Qui fait mal. Aïe, 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 il y a quelqu'un là qui me tire dessus. Prenez le carré, les gars. Là. Voilà. Vous perdez rien pour attendre. Vous l'aviez pas vu venir, hein?
Donc avec RT, right trigger. Il y en a pas là. Allez, vite, 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 récupérons ce carré là parce qu'on n'est qu'à 20. Voilà, lui on devrait l'avoir. Mince, ils l'ont déjà eu à ma place. Et ils sont où les ennemis? Tiens, il y en a derrière, on dirait, les gars. Et ben voilà. On communique avec son voisin. On communique avec son voisin, d'accord. Allez, là, on va récupérer un max de carrés. Alors, quand mes collègues, ils passent... quand mes compagnons rebelles, ils passent dessus... Ça ne les récupère pas. Ça y est, là, on commence à engranger un petit peu plus. Ah, j'aime pas rester bloqué sur des petits amoncellements, là, tout minuscules de terre. Ah ben, voilà, il fallait que j'aille dedans, là, pour en trouver d'autres. Et moi, j'ai besoin d'un petit peu de vie, d'ailleurs, tiens. Je m'étais pas rendu compte. Alors qu'on est dans les cavernes glacées. Bon, ok, un diamant, très bien. Mais ce que j'aimerais, moi, c'est d'abord... C'est un petit peu de vie. Oh, alors là, ça va pas se passer comme ça. C'est marrant, ces petits commentaires. Fais attention, lui, il est un petit peu plus coriace, là, en rouge. Et montrez-moi où est la vie. Parce que j'ai 16 points de vie. Ouais, ça va pas faire énorme. 49, on est bientôt à la moitié. 49, bientôt à la moitié. Des points de vie, où est-ce que je peux en récupérer? Là, c'est un collègue. Ah, mais je rêve, il y en a encore un, là. Tiens. Ça lui fera du bien. Moi et les probabilités. Ouais, d'accord. Deuxième petite animation qu'on voit comme ça. Ah voilà, ça a l'air d'être là-haut pour avoir un petit peu de vie supplémentaire. D'ailleurs, il y a un diamant là-bas, dis donc. Il va falloir faire mieux que ça. Ah oui, il a une bulle de protection, lui. Tiens, bah, comme ça, ça te fait du bien aussi. Au corps à corps, je peux aussi me défendre. Donc ça, j'ai cru voir un diamant. Déjà, voilà, ça va nous faire combien de diamants, cette histoire? Récolter-les tous, on est à 3 sur 5 quand même. Et alors, le truc de vie, il est où? Il est là. Ah, c'est bien, on va tout récupérer d'un coup, là. Allez, des ennemis, j'ai l'impression qu'il y en a, là. Il y a du rouge, du rouge, du rouge. Un coup de bol. Ah ouais, d'accord. On n'est pas les seuls ici, hein. Allez, on est à 75. Oui, on l'a pas eu dans le dos, je rêve. Pas mal. À mon tour, maintenant. Tiens, si je maintenais Y. Qui est jaloux? Je sais pas exactement ce que ça fait. Ça doit faire des tirs puissants, peut-être. Ah non, ça, c'est un collègue. Allez, on est à 79. Ça, c'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin. Où sont les ennemis? Apparemment, il y en aurait derrière. Ah ouais, on est cerclé de rouge. Tiens, lui, là. Je crois qu'on t'a pas vu, le sniper. Lui, ça mériterait. Je n'avais pas mieux que ça. On est à 92. Bon, ok. Ah, c'est bientôt la fin. On va regarder quand même la dernière animation. Ouais, et les probabilités. Ah, celle-là, je l'ai déjà faite. Il m'arrive encore de m'épater moi-même. Ah ben voilà, c'était la dernière. Il m'arrive encore de m'épater moi-même. Ben on va s'épater nous-mêmes en allant chercher... Tiens, ben voilà, les derniers. D'abord, on va le dégommer, lui. Et voilà, un petit rush qui nous permet de finir cette bataille des héros. Avec le nouveau costume d'Han Solo. Sans points ennemis vaincus, 31. Tir dans la tête, 5. Vie utilisée, 0, effectivement. 7 minutes 47 bouclées, et bien sympa.
Je vous retrouve juste pour un petit bonus, la tenue supplémentaire de Hot de Luke Skywalker. Pour finir cette vidéo, donc, le costume d'hiver de Luke Skywalker. Que la force soit avec nous. Et je crois qu'il a un sabre laser bleu, alors que d'habitude, il en a un vert, il me semble. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. D'accord. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux ? Faites appel à vos sentiments. Débarrassez-vous de votre haine. Ok. Allez, on va se débarrasser déjà. Avant de débarrasser de notre haine, on va se débarrasser de quelques... Tiens, prenez-vous le pouvoir de la force, là, par la main. Ouais, ça, c'est pas mal. Ils ont des super... C'est vraiment intéressant, leur pouvoir au Jedi. Même un peu plus que Han Solo, finalement. Là, ils ont... Son troisième pouvoir, c'est d'aller plus vite. Hein. C'est ça, avec RB. Attends, il tire sur qui, là ? Alors, ils sautent tellement haut aussi, les Jedi. Est-ce qu'ils sont... Ils ont l'air d'être là, hein, pourtant. Comment on peut l'atteindre, là ? Ah ben oui. On va monter à droite, là. Je suis sûr qu'il y en a un dans le coin. Là, il y a du diamant, déjà. Un petit bonus. Ça fait pas de mal. Bon, alors, là, pas un seul ennemi à l'horizon. Et là, je vois du rouge. Ils sont peut-être là-dedans, là, dans la caverne. Ah, tiens, le voilà. C'est parti ! Ah, il y échappe, lui. Hein. Tiens, tu vas pas échapper à la poussée de la force. Ah, voilà. C'était juste un petit bonus. On va faire la dernière petite animation. Je vous conseille de ne pas sous-estimer mes pouvoirs. Et voilà, c'est sur ce conseil de Luke Skywalker qu'on va finir cette vidéo sur Hoth avec les nouvelles tenues de cette dernière mise à jour pour Han Solo et Luke Skywalker. À plus tard.